Eh bien, salut tout le monde. C'est Pogo, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais démarrer une nouvelle série qui s'appellera L'étrange histoire de Pogo. Donc là, on est avec Franklin. Voilà, donc c'est voilà, c'est pour la série. Et en gros, là, j'ai toute une série de véhicules que je changerai à chaque fois des épisodes, donc voir à combien elles résistent de balles en fait. Et genre, voilà. Voilà. Du coup, on va commencer par la toute première. Alors, garage, on va. Donc là, je ferme les yeux, je vais choisir une au pif. Ok, donc là, j'ai choisi la Zentorno. Donc on va voir un tout petit peu là, l'intérieur, tout ça. Du coup, c'est parti. Donc la Zentorno, une très belle voiture, bien évidemment. Une voiture très connue de tous. Mais bon, quand quelquefois on est en ligne, on aimerait bien savoir à combien de balles elle résiste. Donc aujourd'hui. Je pense que tout le monde va essayer de vous attaquer avec des fusils d'assaut. Du coup, on va prendre tout ce qui est dans la catégorie des fusils. Du coup, c'est parti. On va voir. Donc, allez, on va d'abord tester, voir combien de balles elle peut résister sur la vitre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, elle peut résister à 11 balles. Ok, donc voilà. Bon, après là, vous vous faites allumer. Hein, voilà. Ok, pour l'instant, elle résiste assez bien. On va voir vers le moteur. Elle a rien. Ok. What? Attends. Vous êtes bien d'accord? J'ai tiré. Ah oui. Voilà. Bon, là, les vitres, c'est bien évidemment un peu pareil, je pense. Là, vous faites allumer. Ok. Ensuite, les roues. Donc, moi, je les customise à fond. Hein, parce que je pense que. Vous... Tout est customisé, j'ai mis balle en anti. Anti-crevaison. Et là, pour... bah, je sais pas pourquoi celle-là elle a crevé. Ah non, celle-là elle aussi elle a crevé, ok. Alors, je vais compter les nombres de balles. Une. Ouf, une à l'avant. Et combien à l'arrière? Une, deux, trois. Ah non, mais elle est déjà crevée, ok, bon. Soit. Ensuite, le moteur. Est-ce que ça peut faire le moteur? Ok. On va changer d'arme. On va prendre la carabine. On tire un peu partout. Je pense que le plus souvent, je pense qu'on vous tire dans les pneus pour éviter que vous déviez et là-haut vous faites allumer. Voilà, du coup, ça va. Résiste plutôt bien aux balles cette voiture. Donc, bien évidemment, j'ai mis les protections à fond. J'ai mis tout à fond. Pour ce premier épisode. Et hop, allez. J'explose tout. Non, pour l'instant, elle résiste assez bien. Hein, moi, je trouve. Bon après ça dépend des entornos. Hein. On va prendre une fusil améliorée, un fusil amélioré. Donc là je sais pas à combien de fusils elle peut résister. Donc bien évidemment dans ma série je vais pas bien évidemment utiliser les bombes collantes ni le lance-grenade, les trucs. Si les lance-grenades, tout ça ce sera pour le tank. Parce que oui j'ai prévu un tank dans ma série. Puis bien évidemment à un moment la série devra s'arrêter. À part si je continue à faire avec d'autres véhicules. Pour l'instant ça va, elle résiste bien, carabine spéciale. Donc la Zentorno c'est aussi un peu le véhicule le plus connu, tout le monde au moins en a une, ceux qui en ont les moyens. Ah oui, arrête. Oula, ok. Donc, ok, bah pile, je suis fusible bop, elle a commencé à se péter. Ok. Bah du coup... On va se barrer avec. J'espère que j'ai mis. Mais évidemment, on est dans le mode réalisateur. Ah, ok. Donc là, elle veut plus du tout me démarrer. Mais on peut toujours rentrer à l'intérieur. Du coup, on va se barrer. Puis voilà. Donc, si les gars, si. Et voilà, les gars. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, partager, lâcher un petit com. Et moi, je vous dis ciao, ciao.